Bonjour à toutes et à tous, une vidéo qui change un peu des cours habituels puisqu'il s'agit d'un petit tutoriel autour du logiciel Audacity pour enregistrer un son et mesurer la période d'un son. Allez, c'est parti! Bien entendu, il faut avoir installé le logiciel Audacity. Si ce n'est pas encore fait, téléchargez le logiciel à l'adresse audacityteam.org et installez-le. Maintenant, mettez la vidéo en pause pour aller installer le logiciel et puis quand le logiciel est installé, eh bien on continue. L'interface du logiciel est très classique. Menu en haut avec les différents boutons d'action, la fenêtre principale qui affichera le son sous la forme d'onde, et en bas, la barre d'état. Alors forcément, quand on lance le logiciel, la fenêtre principale est vide et on va la remplir en enregistrant. Pour enregistrer, attention à la manip, elle est très complexe, faut bien écouter. Il faut appuyer sur le bouton rouge et bah c'est tout en fait. Tu penses que tu vas y arriver ? Pour arrêter l'enregistrement, après, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ouais, c'est pas trop compliqué. Si tu veux écouter ce que tu viens d'enregistrer, eh ben, c'est pas compliqué non plus. Il suffit d'appuyer sur le bouton play. Ok ? Alors, vas-y, fais un essai. Bonjour et bienvenue. Vous voyez, à l'écran, directement, ça enregistre. Pour arrêter, le bouton stop, ici, bouton arrêt. Pour lire, le bouton lecture. Ça fonctionne ? Bravo, tu sais enregistrer un son avec Audacity, c'est le premier pas vers le succès. Ça ne fonctionne pas ? Alors déjà, est-ce que tu as un micro ? Les ordinateurs portables en général ont une webcam avec un micro, ce n'est pas forcément le cas des ordinateurs fixes. Alors si tu as un micro et qu'il est bien branché, deux endroits à vérifier. Le premier, c'est là où on peut lire MMS ou Windows, ailleurs je ne sais pas. En cliquant sur la flèche, tu peux avoir d'autres options et tu peux les essayer. C'est l'endroit à vérifier. L'autre endroit à vérifier, c'est juste à côté, là où il y a l'icône du micro, ça liste les différentes sources qui peuvent servir à Audacity pour enregistrer. Hey, t'as vu, tu peux même enregistrer le son qui sort de ton ordinateur. Certains pourraient avoir l'idée de l'utiliser pour enregistrer de la musique qu'ils écoutent. Bon, ça y est, ça fonctionne, tu as enregistré, super. En cliquant sur la piste et en la déplaçant vers le bas, on voit bien le son qu'on a enregistré, on fait un zoom vertical. Bon, passons au niveau au-dessus et enregistrons la note d'un instrument de musique. Oh, je suis certain que tu as un instrument de musique, sinon il y a plein d'applications pour simuler un instrument de musique. Allez, on enregistre juste une note, c'est parti. Je suis sympa, je vais même te partager l'enregistrement que j'ai fait pour cette vidéo. Tu as le lien dans la description. Maintenant qu'on a notre son, on va passer à la période de cette note. Alors on va zoomer avec la loupe sur l'enregistrement de la note. On zoome. Et on voit un motif qui se répète. Tu le vois également ? Alors ce qu'on va mesurer, c'est la durée de ce motif qui se répète. La durée d'un seul de ces motifs. C'est ce qu'on appelle la période. Pour mesurer la durée, je vais placer mon curseur au début du motif, je clique et je maintiens le bouton de la souris appuyé, et tout en maintenant le bouton de la souris appuyé, je vais jusqu'à la fin du motif. Et quand j'ai trouvé le bon endroit, je relâche le bouton de la souris et ça sélectionne le motif. Il n'y a plus qu'à lire la durée de cette sélection, de ce motif, et pour ça, on va en bas dans la barre d'état et on voit la durée qui est égal ici à 0,012 secondes, 12 millièmes de seconde. On peut faire plus précis en prenant plus de motifs. Par exemple, je dézoome, hein, tu sais comment faire, la loupe en haut, jusqu'à avoir assez de motifs. Et je vais en sélectionner 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je lis en bas la durée des 10 motifs. 0,123 secondes. Donc la durée d'un motif, la période du son, eh bien c'est cette durée divisée par 10 puisque j'ai mesuré la durée de 10 motifs. Donc la période du son est de 0,0123 secondes en précision d'un facteur 10. Alors on pourrait encore dézoomer pour faire la mesure sur 20, sur 50, sur même 100 motifs. Et encore faut-il qu'on arrive à les distinguer. Bah, tu sais maintenant enregistrer un son, tu sais déterminer la période d'un signal sonore, c'est parfait. C'est fini pour ce petit tutoriel sur Audacity. Amuse-toi bien avec.
partage, commente, abonne-toi. Et puis, bah, à bientôt!